Bonsoir à tous, nous voici à nouveau réunis pour ce moment de partage, ce moment de réflexion, de méditation, de prière. Priez avec nous. Voici un message reçu le 12 octobre 2015. Le pardon ne s'acquiert pas toujours en le demandant, mais surtout en agissant dans la vie, montrant que nous voulons changer et en faisant tout le nécessaire pour changer. S'il ne vous est pas donné par la personne à qui vous l'avez demandé, peu importe, vous avez fait le pas vers elle et il n'est plus de votre responsabilité d'être pardonné. Ce qui compte, ce sont donc vos actions et non plus celles que vous espérez que les autres fassent. Agissez sans jamais penser à ce que pourraient faire les autres. Agissez parce que vous voulez agir, parce que votre cœur vous le dicte, parce que vous le sentez du plus profond de vous-même. Allez vivre votre vie et ne recommencez plus les mêmes erreurs. Prenez le temps chaque jour pour savoir en quoi et comment vous vous êtes amélioré. Engagez-vous sur cette belle voie d'amélioration, car c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Nous voici présents pour nous élever ensemble au-dessus de cette agitation matérielle, au-dessus de cette matérialité. Il est bon de comprendre que nous pouvons nous pardonner. Quel pire tyran sommes-nous pour nous-mêmes? Prenons le temps d'être indulgent avec soi. Prenons le temps de vivre tout simplement ce qui est à vivre en toute sérénité, dans la paix. Alors, donnons-nous ce pardon maintenant et acceptons d'être imparfaits. Acceptons de vivre ainsi en ayant conscience que nous pouvons nous améliorer. Prenons le temps de grandir, doucement, mais sûrement. Prenons le temps de vivre en paix avec nous-mêmes. Merci pour cette vie qui nous est donnée, pour cette possibilité de partager cela avec tous nos frères. Offrons-nous ce beau cadeau de vivre en paix. Pardonnons-nous toutes ces erreurs que nous avons commises. Et viendra le moment où nous aurons compris que nous pouvons avancer calmement sur ce chemin de vie. Ne courons plus après ce que nous aimerions que les autres fassent, mais marchons sur ce chemin fait d'action, de choix, assumé par nous. Marchons jour après jour, agissons jour après jour, pas après pas, sur ce chemin de paix et d'amour. Soyons conscients que nous sommes encore des enfants dans cet apprentissage de l'amour, de la vie, dans cet apprentissage
du bonheur. Identifions ce que nous savons être erroné et ne recommençons plus. Prenons de bonnes résolutions. Évitons de reconstruire ces situations que nous connaissons que trop bien et allons vers ces autres horizons qui nous attendent, des horizons plus calmes, plus sereins, plus bienveillants. Puissions-nous tous, aujourd'hui, être en paix avec nous-mêmes, pour rayonner ainsi cette paix, pour rayonner cette sérénité, ce sourire intérieur. Apprenons aujourd'hui à nous donner le pardon. Oublions toutes ces erreurs et aimons-nous. Aimons-nous. Aimons ce que nous faisons. Faisons ce que nous aimons. Aimons la vie. Paix à tous, mes frères.